Côte d'Ivoire, bonjour, me revoilà, voilà, en 2018 en plus, hein, voilà, j'étais avec vous le 1er janvier, et là je suis encore là le 3 janvier 2018, voilà, ça fait plaisir de dire 2018, donc je reprends, 2018, une nouvelle année s'offre à nous, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, hein, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'espère que vous vous remettez de la grande fête, hein, vous avez célébré le Seigneur, vous vous êtes réjouis, en tout cas pour l'année 2018, nous avons fait autant et puis là nous reprenons le boulot, voilà, et nous sommes contents en tout cas de vous savoir encore de plus en plus nombreux à nous recevoir chaque matin chez vous à la maison dans le cadre de cette émission en Matin d'Afrique. Pour aujourd'hui, nous ne serons pas en compagnie de notre consultant, les consultants vont reprendre l'antenne par la grâce de Dieu la semaine prochaine, mais moi je serai en compagnie d'un grand homme ici même à Bénin TV, hein. Il s'agit de notre directeur marketing, Monsieur Kwasi. Alors, je t'ai annoncé, en tout cas, en fanfare, hein, Monsieur Kwasi, bonjour. Oui, bonjour, Ruth. Bien dormi, bien réveillé. Oui, très bien réveillé, après la fatigue des fêtes, la famille, les amis et tout, mais voilà. Allez, alors, c'est le responsable marketing de Bénin TV, hein, Monsieur Kwasi, qui est avec nous ce matin. Il restera en ma compagnie tout au long de cette émission. Et puis, j'aurai de la visite, hein, en milieu d'émission avec un annonceur, voilà, pour ce 3 janvier. Et puis, nous allons terminer avec Espace Israël, voilà. C'est la troisième édition d'Aller au Pays de Jésus. On en parlera tout à l'heure. C'est l'espace dirigé par le révérend Poléon. Nous allons planter le décor, voilà. Nous allons vous permettre de mieux vous installer afin de nous suivre tout au long de cette émission. Ne vous inquiétez surtout pas, hein, avec Monsieur Kwasi. Nous aurons pas mal de choses à vous dire, hein, qui va certainement vous intéresser. Donc, installez-vous confortablement et puis suivez-nous durant tout au long de cette émission. Je vous propose cette première plage musicale, hein, et puis juste après, nous revenons sur notre plateau. Kanes, bonjour et bienvenue à Matin d'Afrique. C'est parti. Mini blanc camion. Mistilia yao yandripe. Pongo numanuma. Mistibla mon yamie. En fila la ve foye. Yenesu yamie. Ve foye ni. Yawande nare. Nana yao micro. Live mon yamie. En fila la ve foye. Yenesu yamie. Sa ve foye ni. Yawande nare. Anye mon yamie mamini. Ye bandi kuma. Ve foye mini. Bangwande nare.
Retour sur ce plateau pour toutes les personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. Hein, nous démarrons à peine cette émission. Et je le disais tantôt hein, que aujourd'hui je serai en compagnie hein, du responsable marketing de Beni TV, Monsieur Kwasi, qui est avec moi sur ce plateau. Monsieur Kwasi, les nouvelles sont très bonnes hein, du côté de Beni TV, n'est-ce pas? Oui, alors merci encore Ruth, bonjour à toi et avant tout propos, souhaiter une bonne et heureuse année 2018 à tous les téléspectateurs de Beni TV, à tous les auditeurs, à tous nos partenaires. Leur dire que pour cette année, je leur souhaite la santé. Amen. Je leur souhaite la paix d'abord à tous nos partenaires, à tous les employés, à tout le personnel de Beni TV, parce que pour moi, je pense que si Beni TV, et à ce stade aujourd'hui, c'est grâce à l'effort de tout le personnel, avec sa tête, le pasteur Samuel Sylvain, le directeur général, M. Basile Blé, et l'ensemble du personnel de Beni TV. Ensemble, nous venons de parcourir toute une année. Nous avons travaillé, et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Grâce à nos efforts, la télévision s'est positionnée à un autre niveau. Pour cette année 2018, je voudrais souhaiter à l'ensemble des téléspectateurs de Beni TV, vous voyez, pour la nativité de Noël Ruth, quand l'étoile de Bethléem s'est présentée, des mages sont venus de différents horizons, de différentes régions, pour venir adorer le Fils de Dieu. Que cette année, nous puissions faire en sorte que Beni TV puisse tellement bouleverser l'ordre audiovisuel en Afrique, que les grands de ce monde se lèvent et viennent se demander, mais quelle est cette chaîne de télévision ? Eh oui. Qu'est-ce qui se passe à Beni TV? Parce que le Dieu de la bénédiction est avec nous. Amen. Cette année, ensemble, bouleversons l'ordre audiovisuel, soyons qualifiés pour le sommet. Amen. Soyons qualifiés pour le sommet. Et on va parler en tout cas hein, de ce qui a marqué l'année 2017 concernant Beni TV. Oui, et puis aussi, hein, on va lancer un appel à tous nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs, parce que c'est sûr hein, qu'en fin d'année, vous avez compris l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est que notre Dieu nous a permis de traverser toute une année, 365 jours, pour être exact. Et en fin d'année, hein, nos pasteurs, nos dirigeants religieux nous enseignent la gratitude, être reconnaissant au Seigneur, donc poser des actes d'action de grâce à l'Éternel pour lui dire merci Seigneur pour toute l'année écoulée. Je pense pour ma part qu'avec Monsieur Kwasi, hein, nous allons essayer de vous interpeller afin que vous aussi, parce qu'avec beaucoup d'informations quand même, vous avez certainement pas l'information, mais Beni TV n'est pas une télévision qui est subventionnée. Voilà, c'est une télévision hein, dont la vision est partie d'un couple, le couple pastoral Monté, le pasteur Samuel Monté et son épouse, la servante de Dieu Sylviane Monté, donc qui ont eu la vision de pouvoir créer cette chaîne de télévision. Donc c'est par eux deux seulement hein, que vous voyez en tout cas tout ce qui se passe sur cette chaîne de télévision. Mais ces personnes ont besoin de soutien, comme tout homme d'ailleurs hein, ont besoin de soutien, ont besoin d'aide. Alors pour toutes ces âmes qui sont gagnées partout dans le monde entier, si cette télévision te fait du bien, tout au long de ce mois de janvier en tout cas, nous serons là à l'antenne pour te demander en tout cas d'apporter un soutien à cette chaîne-là pour qu'au travers de cette chaîne, encore des milliers d'âmes soient gagnées au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sera encore pour toi une manière d'être reconnaissant à l'Éternel pour la chaîne des bénis qui te fait du bien certainement chaque matin lorsque je me tiens là et puis que je ris. Hein, on dit que je ris bêtement. Ça, c'est en griffe. Hein. Le riz de riz de confit fait rire. Voilà. Que je me tiens là ce matin et que j'arrive quand même par la grâce, la petite grâce de l'Éternel à te faire sourire hein, quand tu regardes les messages du pasteur Sylviane Monté qui te font énormément de bien. Je pense qu'il faudrait également dire merci au Seigneur en posant une action. Et cela, ce sera avec le très cher responsable marketing qui sera mieux placé en tout cas pour vous expliquer un peu toutes ces choses là. Moi je suis juste entré dans le plat, n'est-ce pas Bissier? Voilà, merci encore Ruth Kwasi pour cette belle introduction. Alors avant de lancer l'appel, il faut comprendre pourquoi on lance l'appel. Exactement. TV. Cela fait 6 ans depuis 2012 que le pasteur Sam et le pasteur Sylviane ont eu la révélation du Seigneur. 6 ans, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Avec 6 ans, cette chaîne de télévision partie de rien, un projet africain, aujourd'hui est en train de devenir une étoile montante à travers le monde audiovisuel, mais aussi en train de s'imposer dans le monde chrétien. En 6 ans, vous avez été bénis. Amen. En 6 ans, vous avez été édifiés, vous avez été fortifiés par les enseignements, par les témoignages, par l'évangélisation, par la promotion des différents événements. En 6 ans, grâce au Saint-Esprit, Beni TV a pu conquérir le cœur de millions de personnes. Aujourd'hui, Beni TV, c'est le Canada, Beni TV, c'est les États-Unis,
Beni TV, c'est toute l'Europe. Beni TV, c'est l'Afrique, c'est le Moyen-Orient. En 6 ans, nous avons été là. En 6 ans, cette chaîne de télévision a donné de tout ce qu'elle pouvait pour que le corps du Christ soit béni, pour que le corps du Christ soit fortifié, pour que le corps du Christ soit restauré. Pour une fois que nous avons un projet africain dans le domaine chrétien, nous pouvons dire waouh. Waouh. En 6 ans, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup, et je parle même beaucoup, avec beaucoup d'émotions. J'ai la gorge nouée quand je parle de Beni TV en 6 ans. Parce que ce sont des vies qui ont été transformées à travers plusieurs pays. Des personnes qui ont eu des délivrances à travers la prédication, à travers la télévision, à travers les grands programmes d'évangélisation. En 6 ans, Dieu s'est puissamment manifesté au travers de Beni TV. En 6 ans, Dieu a permis à Beni TV de lever le ministère de certains hommes de Dieu à travers toute l'Afrique. Beni TV, c'est aussi des grands événements, tels que Solfège, tels que le marathon de prière, le pèlerinage en Israël, la fête de Noël pour les enfants, l'émission de Fénan avec les artistes, Beni TV, nous sommes dans la constante innovation. Mais cela n'est pas facile. Vous avez été nombreux à rendre ces gens de témoignages ici, même sur ce plateau, en disant « Grâce à Beni TV, aujourd'hui, je suis vu dans tel endroit, je suis vu dans tel pays, mon ministère a pris tel envol. Aujourd'hui, la chaîne de télévision Beni TV a besoin de votre soutien, a besoin d'un coup de main pour aller de l'avant. » Moi, je pourrais dire que nous avons besoin de bonne année. Dis bonne année à Beni TV en apportant ton offrande de reconnaissance. Effectivement. Alors, donc, en cette nouvelle année, en ce début d'année 2018, Beni TV veut marquer une pause. C'est ça. Après 6 ans, nous voulons marquer une pause et faire un point, un bilan. Qu'est-ce que nous n'avons pu réaliser en 6 ans? Qu'est-ce que le Seigneur a pu faire avec Beni TV en 6 ans? Et cette année, Beni TV essaie de se tourner vers ses partenaires, vers l'ensemble du corps du Christ. À vous tous qui chaque jour vous réveillez, vous dînez et qui dormez avec cette chaîne de télévision, il est temps pour vous. Qui avait été tant béni, de montrer votre action de grâce au Seigneur. Amen. De montrer votre soutien au Seigneur. C'est pourquoi tout au long de ce mois de janvier, c'est ça. La chaîne de télévision, avec les premiers responsables, lance un vibrant appel à l'ensemble du corps du Christ à travers le monde entier. Beni TV se tourne vers vous pour la première fois de son histoire. En tout cas, pour la première fois de son histoire. Pour vous demander votre soutien, soutien financier, soutien matériel, soutien à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, nous venons auprès de vous pour qu'ensemble, nous puissions rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été fait. C'est pourquoi tout au long de ce mois de décembre, nous voulons appeler tous tout au long de ce mois de janvier, nous voulons appeler tous les pères, tous ceux qui communiquent à Beni TV, tous ceux qui, à travers Beni TV, arrive à toucher des millions de vies à travers le monde entier. Tous ceux qui sont dans les foyers, à toi qui me regarde, le père de famille, la mère de famille, les enfants, les jeunes, à vous tous, nous vous appelons. Cette année, ce mois de janvier 2018, dis-toi une chose, je ne dois pas rater ma bénédiction. Amen. Cette chaîne qui a tant fait pour le corps du Christ, bénis cette chaîne en retour, imaginons le retour en termes de bénédiction, le retour en termes de grâce, le retour, ça sera wow. Amen. Surtout que la parole de Dieu dit que lorsqu'une âme est gagnée au Seigneur, c'est tout le ciel qui est en ébullition. Donc, au travers de ton action de grâce, au travers de ta semence, une âme sera gagnée quelque part et Dieu se souviendra de toi. Alors, il l'a dit, l'appel est lancé. Tout le mois de janvier, ça sera cet appel-là qui sera lancé. Vous nous suivez de partout dans le monde entier. Il faut les contacts s'affichent au bas de l'écran. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Pour ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, vous pouvez nous faire des transferts. Ça dépend de quel type de transfert, mais vous avez l'opportunité. Vous différents contacts qui s'affichent et on vous donnera les différentes procédures. Donc, il y a d'abord le virement bancaire de Beni TV. Il y a le numéro Western Union et ensuite le numéro Orange Money. Donc, c'est 3 moyens de paiement. Donc, par lesquels on peut soutenir la chaîne de télévision. Voilà, soutenons notre chaîne de télévision, qu'elle aille de l'avant, qu'elle aille loin et surtout que Dieu nous bénisse en retour. Merci beaucoup, DCM. Je pense qu'on aura l'opportunité, vous l'avez dit, tout le mois de janvier, d'en parler, d'en reparler afin que, en tout cas, les choses soient pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Petite transition musicale et puis, je l'avais dit, j'ai un invité concernant la direction commerciale et marketing, elle va s'installer. Thank you.
ses larmes. Quelle que soit ta situation, ton sauveur est là. Il y a longtemps le diable t'a trompé. Il y a longtemps le diable t'a enchaîné. Mais la seule personne qui est capable de résoudre la situation de ta vie, bien-aimé, c'est son nom qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Oh. Nous avons l'occasion, sinon la grâce, là, de recevoir un annonceur. Hein, et j'ai la visite de l'évangéliste Jaya Lydie Aka. Avec elle, nous parlerons d'un programme très important qui est un grand moment de prière et de semence pour la reconnaissance à Dieu. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Rita. Bienvenue, maman, sur ce plateau. Je vous souhaite une très, très belle année et heureuse année 2018. Merci, Rita. Avant tout propos, je voudrais souhaiter mes voeux à tous ceux qui m'écoutent. Je souhaiterais que Galates 2, 20 soit dans leur vie. Amen. On pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si Christ vit en toi, tu as l'espérance de la gloire. Et donc, tu pourras atteindre, réaliser tes vœux. Amen. Et pour, ça c'est pour les chrétiens, mais pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, mon vœu le plus important pour eux, c'est qu'ils reçoivent Jésus dans leur vie. Amen. Jésus étant dans leur vie, ils verront que tout leur vœu se réalise. Amen, maman. Je souhaite que Dieu bénisse vraiment la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne. Mm-hmm. Alors, je suis évangéliste Jaya, comme vous l'avez dit, je dirige un ministère
dénommé UPSA, Union pour le salut des âmes. Nous avons pour mission de proclamer l'évangile de Jésus-Christ au monde entier. Et nous parcourons les villes, les villages pour prêcher l'évangile. Dieu nous a mis à cœur d'organiser ce grand moment de prière, de sémence pour la reconnaissance à Dieu. En effet, c'est pour sensibiliser tous ceux qui m'écoutent à donner de leur bien pour soutenir ce jeune ministère qui a le fardeau des âmes. D'accord. Et qui n'a pas assez de moyens, mais qui fait avec le moyen qu'il a et qui se promène dans les villages pour apporter l'évangile aux âmes qui vont à l'enfer. D'accord. Alors, nous sommes là pour dire à tous ceux qui nous entendent de venir à notre aide par des biens. Si tu peux venir à ce programme du 6, samedi 6, samedi D'accord. prochain, à partir de 16h, à la zone industrielle de Yopougon, précisément... Rapprochez le micro, hein. Rapprochez le micro, voilà. Précisément... au quartier Sipim, au terrain géobéton. D'accord. C'est en plein air. D'accord. Nous serons en plein air. Donc, nous invitons tous ceux qui peuvent venir, de venir participer à ce grand moment avec nous. D'accord, si maman. Tu ne peux pas venir, mon numéro orange, mon air, tu peux faire tes dépôts dessus pourvu que nous puissions les utiliser pour évangéliser, pour soutenir l'évangélisation. D'accord. Alors, si je comprends bien, hein, le samedi 6, hein, vous allez organiser une grande cérémonie. Voilà, une grande cérémonie où vous allez récolter des fonds ou récolter même du matériel, pourquoi pas, mais des choses qui vont vous aider à aller à l'intérieur du pays, dans les villages, dans les villes et hameaux, afin de gagner hein, des âmes à notre Seigneur. C'est cela? Oui. D'accord. Alors, c'est bien vu. Et puis, bien entendu, nous allons encore rappeler à nos téléspectateurs hein, le lieu où tout cela va se passer, et la date et puis les heures. Ça va se passer à la zone industrielle de Yopougon, précisément à Mikao, cité Sipim, terrain géobéton, de 16h à 19h. C'est un plein air, nous prenons des bâches pour recevoir les gens. D'accord, maman. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé sur ce plateau. Vous avez parlé de contact hein, pour toutes ces personnes qui ne seront pas avec vous et même pour ces personnes qui nous suivent et qui aimeraient, en tout cas, soutenir l'œuvre de Dieu hein, au travers, comme vous l'avez dit, des dons. Il faudrait appeler à des différents contacts qu'on vous donne l'opportunité à présent de laisser. Okay, nous sommes au 07 95 88 29. 07 95 88 29. Vous pouvez s'aimer sur ce compte. Et ça va servir toujours à l'évangélisation. Merci infiniment, hein, maman évangéliste. Jaya Lidi Aka, d'être passée sur ce plateau. Je rappelle en tout cas que vous étiez là pour nous parler d'un grand moment de prière et de semence pour la reconnaissance à Dieu qui se tiendra ce samedi 6, comme elle l'a dit. Pour plus d'informations, il faut juste appeler au 00225 parce que vous nous suivez également depuis l'extérieur. Hein, donc 225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, appelez au 00225 au 07 95 88 29. Je reprends. 07 95 88 29. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose rapidement. Ruth, vous voyez les images qui se trouvent sur nos affiches. On voit beaucoup de fruits qui proviennent de la terre. J'ai représenté cette image parce que c'est une révélation que Dieu m'a faite. C'est-à-dire, ces images étaient derrière moi et les gens venaient s'aimer et ils récoltaient ces bénédictions. Donc, quiconque vient s'aimer moissonnera à coup sûr. Amen. À coup sûr. Tous ces fruits viennent de la terre. Et ce n'est qu'après la sémence qu'on peut récolter ce qu'on a semé. Amen. J'exhorte à tous ceux qui m'écoutent de venir s'aimer, qui n'aient pas peur. Le Seigneur est dans ce ministère et il moissonnera. Une moisson Allez. À coup sûr. C'est bien entendu, maman. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Et puis, bien sûr, on vous a laissé largement le temps d'en parler parce que nous-mêmes, hein, nous sommes en tout cas dans ce cadre de semences-là et nous exhortons en tout temps chacun de nous, même nos téléspectateurs, en tout cas, à avoir le cœur sous la main. Voilà, on en parlait déjà en début d'émission avec le DCM, Monsieur Kwasi, hein, parlant bien sûr de semences, de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très, très important. Donc, nous vous laissons partir. Merci de faire confiance à la chaîne d'Ab Béni. Et puis, quant à moi, je vais y aller avec Espace Israël et Espace Israël est piloté par le révérend Paul Ewan. Vous le savez déjà, le voyage pour cette troisième édition est prévu pour février. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus.
C'est désormais possible avec King Voyage et Beni TV The Blessings Channel. The Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 26 février au 6 mars 2018. Des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémané, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage sur Israël pour vivre une expérience de transformation nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93. Plus 225 88 07 07 96. Voilà, merci beaucoup Révérend Poléon, l'appel est lancé, hein, voilà, donc la troisième édition d'aller au pays de Jésus, c'est pour février déjà, donc il faut vite vous inscrire afin de faire partie de cette troisième édition. Et puis l'émission s'achève ici, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, n'oubliez surtout pas le message le plus important aujourd'hui que vous devez retenir, c'est de soutenir votre chaîne, la meilleure des chaînes panafricaines, Beni TV. Il faut nous aider à aller de l'avant, il faut semer dans l'œuvre de Dieu et c'est sûr que tout au long de cette année 2018, Dieu se souviendra également de vous. Demain, on sera encore là sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Passez une agréable journée. Soit on me voit, aime les scènes. Christ est un homme, on me voit. Christ est un homme, on me voit.
souvent, on est tous ces guests, ils sont bêtes, en qui les tiens pour soi, on y voit.